Yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Victoria 3 dans lequel nous jouons la France. Objectif, conquête et colonisation complète de l'Afrique, alias Afrique Rose. Lors du précédent épisode, on avait repris une partie des territoires au Portugal, je crois ici, la Gambie. Hein. Et on avait aussi annexé l'Égypte. Il nous avait fait beaucoup de mal à la famille. On avait également pris les états de trêve, une partie, pas tout, mais une bonne partie des états de trêve. En soi, il faudrait aussi que j'aille chercher les états de trêve au Manet. Et on avait jugulé une révolution au Libéria. Donc j'ai commencé à dégrader les relations avec toutes les petits pays fantoches qui sont du coin. Pour pouvoir les annexer, voilà. Ok, c'est bien, là, du pétrole en Tripoli. Donc on va les exploiter. Mince. Voilà, c'est mieux. C'est mieux, là avec 1000 on est à moins 20%, ok. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir se faire au niveau du marché? On n'est pas loin du milliard de PIB en 1900, c'est pas dégueu. Je pourrais en soit faire des forages à moteur à combustion. Ça demanderait pas mal de moteurs. Je consommerai moins de charbon par contre. Mais là au niveau moteur, je suis comment en production? Ouais, c'est pas mal. On est vraiment équilibré. Ah, on a un manac, j'ai pas géré la. C'est ça? Coach en Sierra Leone, ok. Pour avoir plus de production d'électricité, pour moins de consommation de charbon, plus de pétrole, plus de moteur, par contre. Mais j'en ai pas spécialement besoin hein, actuellement d'électricité. Si on avait besoin, ouais, je dirais pas. Hein. Mais là, en soi. Ah, bah non, même pas en plus, parce qu'il n'y aura pas les mines, parce que pour les mines, il n'y a même pas de. Y a même pas de techno électrique, donc pas ouf. Si, la machine à coudre électrique là. Teinture, électricité, outils, ouais. Ok, le Brésil il veut se barrer de mon union. Bah, qui se barre? Rien à foutre. Ok, au niveau des bâtiments, développement, j'ai vu que j'ai fait quelques. Entre les conquêtes et les technologies là. Il va falloir que je remette ça à propre. Non, 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 pas ça. Ça, j'ai la bicyclette. Ouais. Hop, au niveau des ports, on est qu'en industriel. Pas besoin de ports modernes, on n'a pas ce qu'il faut, de toute façon. Enfin, on n'a pas assez d'exportation. Ah, je vais avoir besoin de radio. radios. Ça me donnerait combien de radios ça? Ah la vache. Ah ouais, ça déconne zéro là. Et les radios, c'est consommé par quoi? Base navale, caserne. Caserne?
Ah ouais, les infanteries des squads. 400. Si j'utilise l'infanterie mécanisée, ça me rajoute encore 400. Ah, il y aura des radios à faire un peu plus tard. C'est quoi la techno que je recherche, navire? Ouais. On a un peu en dèche en bois. On est un peu en dèche ici aussi, de voie ferrée. Bah, on va faire du bois, hein. On va faire du bois quelque part, je sais pas trop. Tiens. Ok, non, c'est en train de se faire. Ok, on va faire du bois, on va faire du bois là, y a pas le choix. Hop là. Couteau au vent, ça c'est bien. On a tout ce qu'il faut. Ils veulent pas y travailler là? Dans mon camp de bûcheron ici? Pourquoi? Ça paye pas assez? À tous les cas, c'est ça. À tous les cas, ça paye pas assez. Oh. Non, ok, ils ont fini sur un statu quo. On va voir si ça passe. Il y a trop de caoutchouc. Ouais, pas mal d'habitants ici, il faudra que j'y aille. Un peu de caoutchouc, mais là on est large. Hop, on va faire des camps de bûcherons. Ici aussi. Ici aussi. Ici aussi. Je suis pas sûr qu'il voit rien. On va essayer quand même. Allez, il m'en manque deux. Allez, hop. Voilà, on va faire pas mal de bois. En espérant que ça jugule un peu la demande. Oh, le fer! Oh, la teinture! Mais non! Voilà, on va faire de la teinture parce qu'apparemment. Apparemment, c'était compliqué. Hein. C'est compliqué, mon teinture. Pareil pour le plomb. Oh non, le plomb, j'en ai pas non plus à 36 endroits, quoi. J'en ai en Alger. Oh ouais, parfait. Ok, ouais, bon, alors. Clairement. Clairement, là, on va pas se faire prier. Hop, on va tout compléter. En fer et en plomb, on sera pas mal. On va augmenter aussi les mines de charbon dans le Rhône. Ça devrait être bon. Ok, c'est bien, il y a les relations là qui baissent. Diminue, je veux dire. Ouais, non, là c'est bon. Oh, quoi? Non, mais ça, je les exporte 10 et ça se vend mais comme des petits pains. Regardez sur ma production, j'en exporte 2/3, quoi. Chez les Britanniques, l'Autriche et la Prusse. Ils sont tous en train de râler, mais ils sont bien contents que je les fournisse quand même. Et le Togo Splendida, donc je peux pas prendre, ça c'est. Hmm.
peux rien faire contre eux, c'est bizarre. Ah, nos relations sont agréables. Oui, d'accord, ok. Ah, condensateur électrique. Ce qui veut dire que mes vêtements, la production de vêtements, je vais pouvoir la changer. Je crois qu'on était... ouais. On avait une demande de vêtements. Ils sont où les vêtements? Ils sont où les vêtements? Ils sont là. On va pouvoir passer comme ça. Alors. Waouh. Ouais, non, ça ferait trop baisser le prix des vêtements, là. On en produirait vraiment beaucoup plus. Mais le prix des vêtements baisserait trop. On a besoin d'un peu plus de teinture, donc on va prévoir la production de teinture adéquate. Et vraiment, une fois que le vêtement sera très... comment dire? Une fois qu'on aura vraiment beaucoup de vêtements en demande, on pourra basculer, voilà, en production électrique. Il y a la chantilly, putain. Ah, c'est penché là. La chantilly. Il faudra qu'on aille chercher également. Caoutchouc découvert en Nouvelle-Guinée. Ouais, ok. Je peux pas lui récupérer ça à l'anglais là. Ah. Alors. Lui récupérer un morceau de tête. Alors j'aimerais quand même faire quelque chose pour lui récupérer un peu un bon morceau d'à coup, quoi, parce que là non, quoi, il y a le temps, allez, juste conquérir ça. Alors Pays-Bas, on s'en fout, ouais, bon. Un bien intéressant, on va lui faire libérer les pays Ah, il est à Hyderabad, il est à l'Écosse et tout. Oh. Libérer l'Écosse. Libérer Hyderabad. Libérer. Attends, il y a quoi comme sujet? Ça peut être intéressant. Non, c'est trop cher. Libérer, 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 libérer le pays. Terre-Neuve. Libérer le pays. On va lui faire libérer Malte. T'as un côté malade, Jamaïque là, il a pris. Ok. On va faire libérer Malte. Voilà. Il y a combien au niveau. Oh, il a plus rien. C'est vraiment la dèche pour lui. Allez, on va faire que ça. Les Pays-Bas ne soutiennent plus. Ouais, Britannique, tu m'étonnes. Ok. Puits sauvage. Production, plus de mortalité, ouais, désolé, mais il va falloir passer au pétrole, alors améliorer nos technologies, hein, les gars.
Tiens, ils veulent nous embêter, eux. Bon, bah, venez. Hein. De toute façon, à mon avis, il va abandonner l'anglais. Hein. Petit bourgeois ou église catholique, allez, plus vite. Comme attitude rivale, c'est bien, je vais pouvoir lui reprendre la Scandinavie, enfin le Togo scandinave. J'ai plus de construction en cours. Oh, quelle idée. Voilà, il a renoncé, hein, forcément. On lui a repris ça, c'est bien. Il y a quoi ici? Ah ouais, c'est toujours les Britanniques. Hein. Ah, quelle idée. Encore une demande en fer. Ah, c'est fou. J'ai l'impression que j'en produis plus. Ouais, vraiment pas leur passer sur les. J'essaie de faire une première bascule en production de pétrole. Quoique en vrai. Hein. Ah, je le produis où mon fer déjà? En Alsace? L'acier a un prix très correct. Même un peu bas. Et tout ce qui me consomme de l'acier a un prix un peu bas même. Ouais, l'acier, j'ai peut-être été un petit peu fort sur... Quoi? Pourquoi j'ai les deux qui produisent des... Qu'est-ce que j'ai encore foutu, moi? Qu'est-ce que j'ai encore foutu? De ça. J'ai encore le verre qui est cher. Imaginez-vous, hein, pour que mon verre devienne un prix normal, je dois en augmenter, je dois en faire 4000. Et je dois faire 50 niveaux de production de verre. C'est ahurissant. J'ai une demande en verre là qui est ahurissante. Ah. Alors ça par contre. Ça c'est important. On a combien d'infrastructures? On va augmenter les infrastructures, on va faire des explosifs. Ça par contre. Ah! Ça me consomme un peu d'électricité, c'est pas mal. Faut bien que ça serve. Hein. Ok, parfait. Ok. Là, ce qui fait que normalement en électricité. Ça a augmenté un petit peu le prix, c'est parfait ça. Je vais augmenter 10 le niveau du. Le niveau de la centrale. Normalement, comme ça, elle sera toujours un petit peu plus chère que la moyenne, mais pas trop. Le caoutchouc est cher. Ouais, j'en exporte, c'est bon, heureusement. Heureusement, heureusement. Au niveau des ressources de luxe, opium, ouais, bah, café. Pour faire un peu de café peut-être. Oui. On va faire une quarantaine de plantations de café. Parfait. On la passe, ok. Ici ça me dit quoi? Pas plus, ok. Les fameux bateaux à vapeur, c'est ouf quand même. Oh là 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 là.
Ah, j'ai totalement oublié de. Je pourrais prendre la Tripolitaine. Les Anglais, je suis allé chercher. Le Portugal, ça date d'il n'y a pas longtemps. Allez chercher la Tripolitaine. Je vais faire un état fantoche. Un pétrole en frise. Ok. Allez, on va chercher la Tripolitaine. De toute façon, ils vont pas me résister. Enfin, la majorité du temps, ils vont pas me résister, sauf s'ils arrivent vraiment à faire une grosse coalition. Mais oh, il y a l'Italie, ils sont mignons. Italie, 90 bataillons. Ouais. Hop, toi, tu vas aller là. Merci d'être passé. Toi, tu vas aller là. Merci d'être passé. Là, on tient. À 5. J'adore. Non, voilà, on va envoyer quand même un peu de quelques gens. On va mettre en défense. Ok. Écoute, c'est à ça que ça sert, hein. Alors pourquoi je leur demande pas des grosses réparations, machin, etc. C'est que sinon ça fait durer pour pas grand-chose. Après, si je peux l'affaiblir, lui, je vais pas me faire prier. On va lui faire libérer les pays. On va lui faire libérer. France unie, Dalmatie, je sais même pas ce que c'est. On va faire ça, j'ai jamais vu. À libérer hein, tout ce qu'on peut hein. En fait ça va les affaiblir et ça va leur dire bah, on va peut-être pas aller on va peut-être pas les taper quoi, ils sont un peu trop forts pour nous. On va se dire ça quoi. Allez hop, vite. Diviser pour mieux régner. Vous voyez, depuis que l'Espagne là j'ai fait sortir la Catalogne, ils m'ont plus embêté. Ça me fait rigoler si je dis ça et que là ils viennent. Le karma, ce serait impeccable quoi. C'est dommage par contre qu'il n'y ait pas un petit bonus de libération en vrai. Que la famille baisse. Un petit peu comme sur Civilization, pour ceux qui y jouent. Civilization, si tu libères un pays, bah, tu vas perdre tes malus en fait. Des choses mauvaises que tu avais. Mais pas là. C'est vrai qu'il faut que je fasse des radios là. Mais je crois que j'ai pas encore la techno. J'ai pas la techno, on va faire radio là. Je peux les augmenter ou pas? Ils sont comment Ouais, je peux augmenter ça. Alors, je vais voir si j'ai assez en infrastructure. Il m'en manquait une. Ah, oh, c'est ballot. Qui es-tu? Territoire indien. Ah, j'aimerais bien mon ami, mais bon, là je suis un peu occupé. Ah, tu m'aurais demandé ça tout à l'heure, je t'aurais dit oui, mais là. Ah, dommage. Il ne veut plus le hail. Ok, territoire indien renoncé. Ouais, forcément. Très inquiet. Dommage. L'Italie, l'Empire Ottoman, ils vont se barrer très vite quand ils vont voir qu'ils ne servent à rien, quoi. Grosso modo. D'ailleurs. Ah, j'ai encore perdu un amiral!
C'est fou ça, ils arrêtent pas de mourir mes amiraux quoi. Lui il est pas mal. Hein. Innovant, organisateur de chantier naval, commandant expert. On va escorter jusque là-bas quand même. Et on va escorter jusqu'à là-bas. Voilà. Ils ont renoncé. Zut. Oh, zut. Un accès en Normandie. Ok. Ah, j'ai mes voies ferrées qui recrutent, c'est pour ça. Ouais, c'est bon. On peut faire du vin. On va faire du vin. Et tiens, un endroit qui est peuplé. Le Poitou est peuplé. Hop, le Poitou peuplé, on va faire du blé. L'Aquitaine est peuplée, on va faire du blé. Alors, on a combien d'infrastructures? Oula, on est. Oula. La Belgique. Ah oui, je t'avais pas annexé, toi. T'as de la chance. Ouais, t'avais renoncé ou un truc comme ça. Combien ils me payent pas les limousins? 15 000 quand même hein. Ah les salauds hein. Ils se mettent bien les limousins. Migration, eh oui, ok. Portugal ça devrait pas tarder, non? Ah non non, c'est vrai que j'ai pris il y a pas très très longtemps. Il va falloir que je regarde tout ça au niveau des trêves. Anglais en 5. Qui ça? J'arrive pas à retrouver. Ah, l'Egypte. Oh non, l'Egypte. Ça, c'est la Tripolitaine. Ok. Et Portugal. En 3. Ok. Là, on voit, là, on arrive à 24 là au niveau des de Liberia, etc. C'est bien. En Bornéo occidental, c'est pas chez moi. On pourra pouvoir accélérer un petit peu. Et là, on va commencer la conquête, enfin l'annexation, pardon. Excusez-moi. Des petits pays. Je dis petit, hein, je compare à la taille du Sokoto, je compare à la taille de la France, même à la taille du Portugal. Parce que là, lui, par exemple, il est un 141e non reconnu. Putain, c'est fou. Pourtant, il doit y avoir des pays en moins quand même. Attends, c'est les derniers ou? Les tribus unies, c'est vraiment les derniers les tribus unies? Ah bah. Pas de chance. Eux ils existent pas, je sais pas. Ah c'est des. Les autres c'est des colonies, des pays non reconnus. Mais genre vraiment pas du tout reconnus. Parti républicain, c'est lequel le parti républicain?
Les industriels dedans? Ouais, c'est bien. Est-ce qu'on fera une petite réforme? Non. Non, parfait. Ok. Bah, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va s'arrêter là pour l'épisode d'aujourd'hui. Voilà, ça fait une petite demi-heure. Prochain épisode, on en profitera. Là, on va y avoir 3 pays, voire 5, 4, voire 6 à annexer. Voire 7, pardon, à annexer. Donc, je vous propose de me retrouver très bientôt pour ce fameux épisode. Je vous remercie à tous d'avoir suivi. J'espère que ça vous aura plu. C'était Thiob. Ciao.